Coucou YouTube, comment allez-vous? La tradition oblige, on explose le tombeau en deux. Hey, coucou YouTube, Simifa24, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien, et j'espère surtout les amis que vous pétez la forme parce que ça c'est le plus important. Aujourd'hui les amis, on continue la suite de cette aventure sur le jeu de Ark Ascended pour le 16ème épisode. Avant de commencer quoi que ce soit les amis, je tenais à vous remercier du fond du cœur de votre encouragement et de votre soutien durant cette aventure sur ma chaîne YouTube. Vous êtes de plus en plus nombreux à lâcher des pouces bleus, cela met le contenu en avant, également ma chaîne YouTube. Donc je tenais à vous remercier du fond du cœur avant de commencer cette vidéo. Et oui, c'est normal, il faut remercier ses abonnés. Sur ce, les amis, dans ce 16ème épisode, on va tamer un Térizinosaure. Je crois que ça se prononce comme ça. Moi, je l'appelle Wolverine, parce qu'il est juste monstrueux. Et ce qui est bien avec ce sorte de dinosaure, ou plutôt monture, peu importe, il peut ramasser vraiment pas mal de choses. Chose à savoir, les amis, il y a trois types de récoltes avec ce dinosaure. La première récolte, on appelle en force. Qu'est-ce que c'est? C'est pour ramasser tout ce qui est donc bois, branchage, peau, kératine, viande crue, viande supérieure crue. Je crois qu'il y a la chair de poisson également, la chair de poisson supérieure crue. Je crois qu'on peut également ramasser de la chitine, vu qu'on peut ramasser également de la peau et de la kératine, ce qui me paraît logique. Et je crois qu'on peut également ramasser sûrement d'autres choses, comme peut-être de la polymère. Peut-être que je me trompe, dites-le moi par commentaire. Peut-être que je me trompe, mais je crois qu'il y a quelque chose comme ça. Ensuite, vous avez la récolte délicate, on appelle ça comme ça. Moi, c'est ce que j'adore faire, c'est quand vous faites l'animation et que vous voyez les griffes bouger avec le dinosaure, c'est juste incroyable. Vous pouvez ramasser pas mal de fibres et des choses comme ça, et ça, c'est vraiment très utile quand vous commencez, bien évidemment, le jeu. Ensuite, vous avez également la récolte générale. Alors, qu'est-ce que c'est que la récolte générale? En gros, c'est quand vous ramassez tous les trucs basiques comme des baies, des graines, des légumes, de la peau, etc., etc. Enfin voilà, vous avez trois façons de récolter avec cette monture. Et ça les amis, c'est juste monstrueux. Mais pas que. Et ce qui est vraiment très intéressant avec le Térizinosaure, je vais y arriver. Le truc le plus intéressant avec ce dinosaure là en tout cas les amis, c'est que si je dis pas de bêtises, il me semble qu'il est immunisé contre le feu. Donc c'est à dire que vous pouvez l'utiliser contre un boss en particulier, même des boss plus tard, hein, mais en tout cas là dans cette version là de The Island, vous pouvez l'utiliser pour un boss en particulier. Je vais pas spoil, mais je pense que vous avez compris qui c'est qui crache des flammes, etc. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Mais du coup les amis, effectivement il est immunisé contre le feu. Et la chose là vraiment la plus intéressante, c'est que dans son inventaire vous lui glissez des gâteaux de légumes, et grâce à ça les amis, ça va restaurer sa santé. Il me semble que ça restaure à peu près à peut-être 500, je crois. J'avais fait un test, il me semble que c'était 500. Peut-être que je me trompe, dites-le moi par commentaire, mais je crois que c'est un truc comme ça les amis. Mais voilà, c'est vraiment une excellente monture pour récolter des choses, mais également pour affronter des boss qui ont une spécialité du feu. Voilà les amis, par rapport à tout ça, en espérant bien évidemment que cette vidéo vous fasse plaisir, je vous laisse visionner et je vous retrouve à la fin de cette vidéo. A de suite les amis. J'entends pas grand chose avec la musique mais... oh. 145 mine de rien, c'est vraiment pas mal. Parce qu'après si derrière... à voir si le dragon le fera avec les Terry. En vrai, on pourrait. Hein. Tu pourrais pas avoir mieux là, je pense. Ouais, niveau level, ouais, c'est impossible. Ouais, ouais. Et puis c'est rare de tomber sur des hauts levels comme ça quand on cherche. Hein. Faut que je tue l'autre parce qu'il est à côté. J'en ai deux pour le prix d'un homme. Ça bien spécial, mon colonel. Je suis bien moi, je plane, il me touche pas. Et concentré sur moi. Ouais, normal. Je crois qu'à l'époque, quand on faisait justement la technique de l'aggro comme ça, je crois que celui qui tirait, il se faisait aggro après derrière. J'arrive, je suis à 900 mètres, je vais me poser une fois, histoire de récupérer mes, ma stam. Hop. Hop, et j'arrive. Je peux même poser ton piège tranquillement. Ouais, c'est ce que je vais faire. Logiquement, il est pas censé m'attaquer là, tant que je le... tant que je suis pas trop près de lui, parce qu'au fait, quand t'es trop près, c'est là où il tape. Ouais. Mais si t'es assez loin et tout, il te tapera pas. Il s'en fiche de toi.
Faudra que tu tues juste le deuxième. Ouais, ça marche. Le deuxième, il est là. Non, je l'ai pas ping correctement, là. Ah, c'est ce que j'allais dire, j'ai t'es parti tout là-bas. Oui, ouais, non. Qu'est-ce que tu fais, mon pouille? Arnaque. Oh, c'est chiant, les gnomes qui rentrent comme ça dedans à chaque fois. Horreur, ça. Celui-là, celui qui est près de moi, c'est le mauvais, c'est ça? Ouais. Vas-y. Tu vois, on est bien. Parfait. Fais connaissance. Ah, je vois ça, alors qu'est-ce qu'il te raconte? Il raconte sa vie? Oh, bah il fait ouah, je comprends pas tout, mais... Ah oui, ouais, c'est... Mmh. Mmh. C'est un concept, un peu, hein. Ouais, c'est un peu un dialogue de sourds, quoi. Ouais, je me doute bien, hein, oui. Pour les pièges, pareil, hein. Ils sont intelligents. Des fois, ça marche pas du premier coup. Ouais, mais surtout, j'aurais dû faire un peu plus de fondation pour ce que je voulais faire, mais bon, on va bien voir. J'ai un petit doute là. Ouais, là, ça va pas vouloir. Ouais, non, mais merde. Je me demande s'il passe là dans le creux là, j'ai un doute. Oh aïe aïe, j'ai un doute. J'ai doute beaucoup d'idées. Ouais, c'est bien ce que je pensais, il faut mettre comme ça et après comme ça. Sauf que là, ouais, j'ai... Je vais juste prendre celui-là. Pourquoi il me fait ça? J'ai bien mis le truc, je l'ai intégré sur le... Attends, est-ce qu'il faut faire comme ça? Je comprends pas très bien des fois. Là, et tu fais ça après? Ah, à mon avis, ça doit être ça. Ok. Ok. Et là, je pose ça. Ah, c'est bien ça, c'est ce que je disais à Bob. Je confirme. Ok. Je lui expliquerai à ça. Est-ce qu'il va monter là? Oh, j'aurais peut-être dû faire une rampe là. Il a pas monté le con. Fiber. Wood detach. Fiber, wood detach. Attends, bouge pas, j'y arrive. J'ai peur qu'il monte pas à cause de la petite hauteur. Ah. Ça. Ok. Problème bien évidemment, j'ai pas pris ma fossile. Il faut beaucoup de ça pour faire la rampe. Si j'ai pas fait attention, ils disent quoi? Fiber, ok, touch 15 et 62. Bon. Ok, je me dépêche. Je me demande si j'aurais pas dû me mettre dans l'enregistrement. J'ai peur qu'il y en a qui viennent et. Attends, je viens d'y penser. Tac, 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 tac. Hop. Mince, je me suis fait... décale juste, hein. Ouais, ça marche. Merci. Hop. Ah, ça en fait qu'un. Bon, pff, il devrait passer, je pense. Oh, allez, il va passer.
Ok, je vais le tirer dessus et je vais essayer de l'amener sur moi. Ah non, ah, il reste à gros sur toi, mais bouge pas. Il me semblait bien. Ok. Je me demande si c'est pas après, tu sais, quand il va faire marche arrière, quand ouais, il va bah avoir ouais, peur. Mais écoute, pour l'instant, on va rester comme ça. Hein. Oh, ça me va, hein, y a pas de problème. Te trompe pas avec Bella. Hein. Oui, déjà, je me suis fait, il a bougé à tes têtes. Ah, c'est bon. Je vais essayer de viser full tête pour le faire dormir rapidement. Je peux pas te dire combien il est en torpeur parce que là, t'inquiète. J'ai pas accès sur lui. Je vais y aller doucement. Ah bah si, je le vois. Si, si, je le vois, c'est bon. Ok, 1006 sur 8000. Enfin, sur 8009. Ça marche. Je crois que normalement, quand tu vises la tête, c'est bien ça, hein. Ça monte vachement vite. Parfait, ne bouge pas. C'est moi ou il se fait attaquer par un autre truc là? Ouais. Oh mais il le touche. Ok, voilà. C'est bon, il est mort. Oh, parce que sinon il va lui faire perdre le bonus. C'est ça que j'avais peur. 2006. 2007. Parfait. Oh non, je suis fusé à côté. Parfait. 3000. Oh le Dilo! Oh mais qui sont chiants! C'est pas possible! Il a 35 d'attaque. Ouais, attends, je vais tuer vite fait le Dilo là. Vas-y, vas-y. Allez, arrête de m'embêter là, c'est pas le moment. Ah, c'est toujours comme ça. Qui sont chiants, ils servent à rien en plus. Ok, parfait. Ah, j'ai visé plus en bas là cette fois-ci. Peut-être falloir que je lève. C'est sur toi que j'ai tiré là, non? Hein? Non, j'ai pas d'étoile. C'est pas sur ton oiseau? Non, non. Tant mieux. Oui, 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 parce que là... En fait, j'ai tiré et ça a pas affiché les dégâts. Et en général, c'est quand tu tires sur ton allée que ça fait ça. C'est pas le moment que je m'endorme. Yo. Bah, surtout, c'est l'argent de ta vie, ça. 4008. Parfait. Sur combien tu m'as dit? 200 d'un coup là. Sur 8009. Ok. 5000. Ah, je t'ai dit, la tête c'est full torpeur. Ouais, tu lui mets 200 dans la tête. Ouais, parfait, c'est ça, ouais. 5005. On continue. 6000. Parfait. Il va peut-être commencer à bouger. Hein. Ouais, là il va commencer à partir, je pense. Là, je le vois, il commence à faire des. 6005. Parfait. Ouais, voilà, je m'en doutais. Ouais. C'est pas grave. Il va revenir, je le sais très bien. Parfait. Oh, tu l'as eu. Non, il me veut plus. Non, non, non. Ouais, t'inquiète pas, il fait exprès. Ah, c'est voilà. Ça. Voilà. Ouais, non, il repart. Bah, au pire, bouge pas. C'est je vais bien, tu comme le ça. Touches. Il est à 7100. Parfait. Je cours. Ouais, là, il arrive. Je cours. Non, c'est bon, il fait demi-tour. J'ai peur, arrête-toi, Wolverine. Ça suffit maintenant. Non, c'est fini, tour d'âge. 8002 8004. Il va tomber, je pense, là. 8006. Sur combien tu encore m'as mis une petite, 8009, encore une petite flèche. C'est bon, mon co-idée. Oui, c'est bon. Objectif accompli avec succès. C'est bien ça. Ah, bien joué. Tu l'as bien occupé, c'est parfait.
Ouais, mais il me semblait bien que quand il a vraiment l'aggro vraiment. Ouais. Ça veut rien dire ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Si, quand t'as vraiment l'aggro, quoi. Il a vraiment l'aggro vraiment. Vraiment, vraiment? Vraiment. Oh, mais il va prendre 72 levels. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. 11, donc il sera 217. C'est pas celle-ci. Attends. C'est exceptionnel. Ah, mince. Oh, mais t'inquiète, c'est bon. T'inquiète pas, j'avais pris ce qu'il fallait. Attends, je vais enlever le piège qui est là-bas. On va essayer d'enlever un maximum de structure qui sert à rien. Hein. La pompe est là, oui, t'as tapé. Oui. Mais je pense que c'est ça, c'est parce que tu t'as bien bric l'aggro, genre tu t'es bien mis à côté, la bonne distance. Ça doit faire toute la diff, ça. Et puis là, ce que je voulais voir, c'est bien ce que je disais à Bob. Il faut déjà mettre les piliers et ensuite mettre ta... La porte. Ouais, le cadre de la porte et la porte. Sinon tu peux pas mettre, parce que je suis allé, j'ai essayé de trouver un petit peu partout, je te cache pas que j'ai vraiment galéré à le trouver celui-là, hein, au level 1. J'ai tourné vraiment partout. Quand je l'ai trouvé, bah fais attention derrière moi, parce que j'avais baissé le son, il y a une meute de raptors qui m'ont attaqué. Et le Terry, du coup, je me trouve nez à nez avec lui, il arrive en mode, hop, non. Un coup de griffe. Oula, tu le vois. Ouais, oulala, attends, je vais faire attention, je vais monter sur le truc. Et le Thierry, ouais, il me donne un coup de griffe, bah mort. Merci, au revoir. Puis après, à vérifier aussi, mais normalement, en fait, à l'époque, le Thierry, je sais pas si c'est toujours pareil. Tu peux lui attribuer des points de récolte, au fait. D'accord. Et il y a la récolte faite en force, délicate, il me semble, et générale. En force, au fait, c'est tout pour ramasser, par exemple, du bois, branchage, kératine, la peau, la viande, polymère, des trucs comme ça, tu vois. La délicate, c'est plus dans le côté fibres, fleurs rares, les graines de spécimens, je crois qu'il y a la soie. La sève, je m'en rappelle. J'ai un trou de mort, je sais plus. Et général, c'est tout ce qui est baies, graines, légumes, peau aussi, je crois, ça en fait partie. Et je me demande s'il récupère, je crois que si. Je crois qu'il doit récupérer aussi des perles noires et de sélice. J'ai essayé tous les trucs, j'ai essayé de mettre les piliers en travers, pour en bas, essayer de machin, rien du tout. Le jeu il m'a dit nope. Allez, plus qu'une croquette et c'est bon. Il faut que je le ramène jusqu'à là-bas, quoi. On voit même pas dans l'herbe. Non, t'es trop petite. Wouhou! T'es le plus petit de la bande, non, je te ferais dire. Si ça, ouais. Je suis petit, mais laisse-moi être tranquille. Sinon, je tape dans les quilles. Ah bah oui. Tranquille, qui? Ouais, c'est... Ouais. Compliqué, enfin non, bref, ouais. Ouais. Essayez-moi tranquille, d'accord? J'ai dormi que 3 heures cette nuit. Alors vous allez bien ici, tranquille. J'ai compris, c'est un guet-apens que vous faites, c'est ça? Hein? Je vous ai aïe aïe. Persécuté. Je vous ai aïe aïe. Oui, oui, moi je suis sûr qu'en ce moment c'est une guet-apens, là. Ouais, d'accord. Et vous me ferez pas tomber sur une pente, hein. Guet-apens, pente. Oh, yo, yo. Le mec, il est trop bête. Pas qu'un peu, hein. Pas qu'un peu, mon neveu. Ah, c'est bon, je vais prendre mon café après, quand tu as fini. Je pensais que Bob, c'était le pire, mais finalement, vous êtes pareil, quoi. Non, j'ai pas d'appareil. Niveau débilité. Oui, j'ai de l'habilité. Oui. Bon, on va arrêter là. Après, j'y pratique, on sait jamais. Normalement, là, il est tranquille. Voilà. 5, je vais voir s'il va tout manger. Attends, j'ai quand même un doute. Attends, je vais quand même retirer. Attends, je laisse 2 croquettes.
Normalement, il est censé en manger qu'une. Par contre, j'ai fait l'erreur tout à l'heure d'avoir mis. De quoi? Bah, si ça fait 13%. Ah non, c'est bon. C'est bon. Non, c'est bon, il a pas mangé la dernière croquette que j'avais laissée. Aïe, et maintenant j'ai même besoin de le ramener jusqu'à là-bas. C'est ouais, génial. Il va vraiment falloir qu'on prenne du temps pour un transporteur. Hein. Oui, alias le Quetzal. Oh yeah les amis, comment allez-vous? Je tenais à vous remercier du fond du cœur à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci à vous tous les amis, cela me fait extrêmement plaisir. Et voici donc le Terry qu'on a tamé, mais également il y en a un deuxième qu'on a tamé un peu plus tard, et cela fait extrêmement plaisir. Du coup, on a un mâle et une femelle au level, et ça, ça fait extrêmement plaisir. Du coup, plus tard, on va pouvoir faire de la reproduction, comme vous voyez, on en a un troisième, on commence à faire de la reproduction, et cela va nous servir à faire le boss, c'est-à-dire le dragon, parce que je vous rappelle que le Terry Zinosaur est immunisé contre le feu. Et ça les amis, c'est très important, sachant que si vous mettez des gâteaux de légumes dans l'inventaire du dinosaure, cela permet de pouvoir, eh bien, de le heal, de le soigner très rapidement, parce que je vous rappelle que c'est au moins 500 HP qui est restauré grâce à ce gâteau là. Et quand vous affrontez un boss les amis, honnêtement, cela fait vraiment la différence. Il suffit juste derrière que vous ayez un petit outil pour donner de l'attaque et également de la résistance à l'attaque. Et ensuite vous mettez un petit facochère juste derrière pour pouvoir heal. Et je pense que c'est le combo parfait pour affronter le boss. Sur ce, je tenais à vous remercier encore une nouvelle fois à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas, très important, le petit pouce bleu de la famille. Commentez pour dire ce que vous en pensez de cet épisode. Partagez cette vidéo au maximum. Rejoignez les réseaux sociaux les amis, très important. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche et bien évidemment désactivez Adblock, une façon totalement gratuite de pouvoir m'aider sur le financement de ma chaîne YouTube. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Bye bye tout le monde.